Monsieur Mazouillet, oui, c'est où les plateaux? Les plateaux, c'est à l'entrée, non? Quand ils sont pas chez vous. Les plateaux qui rentrent dans les caisses rouges. C'est des petits plateaux comme ça, en aluminium, pas en aluminium, en inox. Ah, j'ai avec vous. Oui, les autres sont plus grands. On les laisse derrière, pressés sur le mur. Pour la serrer. Vas-y, serre-moi ça. Et tous les autres, tu les coupes pour faire le service. D'accord, très bien. Ça va ? Ok, pas de problème. Si tu veux plus de plateaux, je peux t'en donner. Non, j'en ai pas. Allez, les gars. Il va y avoir besoin de faire. Regardez. Donc, je vais faire de manière. Alors, des fois, quand ça coince, faut pas hésiter à appuyer sur le rebond. Ça risque rien. Hop. Non, c'est bon là, balancé. C'est qui a changé l'ardoise de place? Bah, c'est quand ils ont pris les chèvres. C'était, tu sais, c'était tenu avec. Oui, prêt. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un avec de la passion. Agathe. Allez, vous invitiez les gens à faire leur pochoir. D'accord. D'accord. En fait, ils savent eux-mêmes, d'accord. En fait, vous les invitez à faire leur pochoir. Ils posent un pochoir sur le pot de gaillet, je vous l'ai dit, avec la sucrière de sucre. Ouais, eux-mêmes, quoi. Ils enlèvent le pochoir et waouh, magique, le dessin sur pochoir. Non, mais ça, ils font eux-mêmes, quoi, d'accord. Oui, c'est eux qui font. Ah, c'est pour ça qu'on a fait un escalier de pain de gaillet. Oui, ça va pas tenir. Il faut que ça soit beau et pour le design culinaire, il y a encore quelque chose de supplémentaire, il faut que ça soit pensé. C'est-à-dire que les designers sont des concepteurs, ils conçoivent les choses en amont et donc ils réfléchissent aux usages, ils réfléchissent aux fonctions, ils réfléchissent bien sûr à l'esthétique et les designers culinaires se sont emparés du design pour prendre la matière culinaire, telle une matière, et donc du coup penser tous ces aspects-là. Donc, c'est-à-dire que du coup les élèves ont aussi travaillé donc le goût, la vue, l'esthétique, mais aussi l'idée par rapport au thème que j'ai annoncé, donc le thème de la couture. On le travaille depuis 3 ans parce que les projets, il faut les déposer 1 an à l'avance. Donc ça fait 3 ans que le projet a été déposé au niveau de la région. Nous avons eu un financement Eureka pour le premier projet qui a eu lieu avec une classe de première qui sont maintenant en terminale. Une classe de première qui a de suite, enfin, qui s'est de suite mis dans le projet. Ça a été un... Enfin, ils ont d'abord travaillé, donc ils ont d'abord fait des visites. Donc ils ont été au musée d'Orniac, où ils ont vu les habitudes des hommes préhistoriques, habitudes alimentaires, lors d'une visite et lors d'un atelier. Ils ont été également au Centre européen de recherche préhistorique, où ils ont fait aussi des ateliers. Et puis ensuite est intervenue une designer culinaire. Et tu les laisses bien écartés comme ça, tac, tu vois, bien en support, voilà. Et tu mets un quart dessus, voilà. Et au moins ils comprennent comment le principe. Et au moins nickel, on est tranquille. Le design culinaire, donc en gros c'est une expérience culinaire, c'est-à-dire qu'on va mettre en scène des aliments. Donc là par exemple on a créé des pièces en rapport avec la grotte Chauvet. Et du coup, le design culinaire, c'est ça. C'est par exemple un sablé parmesan, on va lui donner la forme d'un silex. Le bavarois fruit rouge, qui est un gâteau pas quelconque mais très courant, on lui a donné donc une forme ronde qui représente l'architecture de la cabane du Pont d'Arc, autour duquel on a collé des petites plaques de chocolat pour représenter donc la roche qu'on peut voir sur l'architecture de la caverne. Alors, Karine Chou a travaillé en amont avec les élèves pour tout ce qui tourne autour de la caverne du Pont d'Arc. Donc par exemple, dans la caverne, qu'est-ce qu'on retrouvait? On retrouvait des silex, on retrouvait des stalactites, des stalagmites, des dessins au niveau de la roche. Et ensuite, on a essayé de l'adapter à la cuisine. Donc nous, après en cuisine, notre travail, c'était de trouver des aliments, des recettes pour essayer de recréer cette atmosphère au niveau de la caverne. D'où par exemple le silex en sablé parmesan, à l'encre de sèche, pour avoir la couleur grise comme les vrais silex. Le rouge dans les verts. Oui, non, mais le rouge, si vous voulez, c'est du rond, donc c'est niveau un peu plus. On jette pas les bouteilles. Enfin, on laisse un exemplaire de chaque derrière.
Alors moi je vous propose du sélex en sablé parmesan et encre de sèche avec de la crème de fromage et du sélex et vous trempez dans le fromage de chèvre. Directement dans le fromage de chèvre. Voilà, trempé. Super. Et moi je vous propose. Oui, merci. On vous autorise, monsieur. Donc, bonne dégustation. Merci, je vous présente, ce sont des tournées à base de patates cuites et graines de sésame. Qui représentent les stalagmites et stalagmites. Et en plus, c'est très bon. Mais je vais essayer. Allez-y. On va voir. Là, tu mets fait ça. Voilà. Exactement. Merci. Ah, mais là, ouais. Je vous en prie. Je prends de la déco. Spécial, mais très bon. Le café, c'est beau comme présentation. Tout je t'en prie. Non, c'est juste pour... Merci. Ah, pardon. Merci. Bonne journée. Au revoir. C'est vous qui avez découpé les... Non, c'est fait avec... Au laser. Ah, oh, super. Très bien. Merci pour bon dégustation. Merci. Ouais. Délicieux, bravo. Et ça c'est quoi? Ce sont des billes de pommes colorées avec du colorant alimentaire. Là. Et c'est pour rappeler la cueillette et c'est avec en forme d'arbison préparé. Ah, très bien. Ah, mais c'est bien ça. Super. Voilà. Et de votre côté? Oui. Merci beaucoup, bravo. De rien, bonne dégustation. Ah, ce sont des cornets surprises, les cornets représentent la stalagmite de la grotte Chauvet. Et à l'intérieur, il y a trois petites surprises gourmandes dont nous vous laissons découvrir la saveur. Super, merci. Bonne journée à vous, au revoir. À vous aussi, au revoir. En fait, on a essayé de représenter l'extérieur de la grotte Chauvet avec le chocolat blanc qui refait la forme extérieure. Donc c'est un biscuit, une danoise. Avec une mousse au fruit rouge et une simple gelée verte par-dessus. Donc en fait, ça se mange au couloir, en fait, le chocolat blanc en forme de cuillère. Le cuillère, si vous voulez aussi vous aider avec les cuillères. Voilà. Eh bien, toutes les classes du lycée étaient impliquées dedans, ce qui était pas mal, parce qu'il n'y a pas qu'une classe, donc ça permet en même temps un esprit collectif dans le lycée. Et du coup, c'était dispatché en trois stands, du moins pour les cuisiniers, pour qu'ils puissent montrer leur projet. Et après, il y avait les serveurs qui tournaient sur tout le site. En tant que cuisinier, c'est rare qu'on ait un contact avec les clients quand même, mis à part quand on va en salle. Mais sinon, je pense que j'ai en gardé de bons souvenirs quand même. C'était sympa et pourquoi pas refaire après, peut-être pas avec grand chose forcément, mais à refaire. Tu manges pas tout, toi? Oui. Faites attention parce que si vous le laissez là... Alors expliquez-nous ce que c'est ça. Allez-y les jeunes, Andrew. Alors c'est une génoise, une danoise, avec une mousse de fruits rouges et une gelée verte pour représenter l'architecture de la structure extérieure de la grotte. Wow. Et l'idée c'était de manger la génoise, le gâteau avec le chocolat en forme de cuillère. C'est bon. C'est pas comme ça qu'on mange. Oui. Bon, maintenant que tu nous as expliqué, on va goûter. Ça. Parce que beau c'est une chose, bon c'en est une autre. C'est une puce qui est intéressante parce qu'elle parle du sens et elle fait sortir la cuisine d'une répétition de gestes et elle lui redonne un sens créatif. On peut imaginer que les premiers hommes, ceux qui ont commencé par faire cuire des aliments, étaient aussi dans une démarche de design culinaire. Ils essayaient, ils testaient, ils étaient créatifs. Et le design culinaire aujourd'hui, c'est la branche la plus créative de la cuisine.